Merci de nous rejoindre sur Radio Mali à Bamako, il est 13h. Le journal, Ibrahima Traoré. C'est 13h dimanche, mesdames, messieurs, à la une de cette édition. Demain démarre les journées de l'innovation, de la recherche et de l'innovation au Mali. Ça s'appelle JRI édition 2023. Alors, cette édition va durer 5 jours et c'est l'invité de ce 13h dimanche qui nous parlera du thème et de l'objectif principal de cet événement qui sera présidé demain par le Premier ministre ici à Bamako. La 4e édition des Journées textiles du Mali, Mali Finéo, s'achève cet après-midi au Palais de la Culture, le Bogolan. Une histoire, une identité culturelle. Et l'édition 2023 a été marquée par des conférences, une foire exposition, des spectacles entre autres. On en parlera avec Abdoulaye Djombana, secrétaire général de la commission d'organisation des Journées textiles du Mali. Il sera donc en direct dans cette édition. À suivre toute l'actualité internationale dans ce 13h dimanche. Et puis, l'espoir, ce sera avec vous. Famourou Diourté, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors, quel est le menu de cette page d'espoir ce dimanche? Le football et le taekwondo sont au menu de la page sport. La saison 2023-2024 du championnat national des Ligue 1 a démarré dans la semaine. La deuxième journée commence ce dimanche. La finale aller de la Ligue africaine de football se joue ce soir au Maroc. Elle mettra aux prises le WAC et les Sundowns. La Ligue féminine des clubs champions débute également ce dimanche en Côte d'Ivoire, toujours en terre ivoirienne. Le championnat d'Afrique de taekwondo est aussi à l'honneur ce dimanche. L'actualité d'espoir à ne pas manquer dans un quart d'heure. Et puis, Focus Santé de ce dimanche porte sur la procréation médicale assistée. C'est à l'hôpital du Mali. Rendez-vous en fin de journal avec Koumba Cissé. Voilà pour le sommaire. Mesdames, messieurs, installez-vous confortablement tout de suite. Le journal. La journée internationale des orthoprothésistes est célébrée ce 5 novembre. Hier déjà, un débat a été organisé à Bamako sur la problématique de l'approvisionnement en matières premières pour la fabrication des appareils. Une initiative de l'Association malienne des acteurs de la réadaptation physique en collaboration avec le CICR et le Centre national d'appareillage orthopédique du Mali. Koumba Cissé, reportage. Avec la croissance de la population malienne, la demande des appareils orthopédiques augmente de jour en jour, selon le premier responsable du Centre national d'appareillage orthopédique du Mali. Tous les acteurs concernés par ce métier et leurs partenaires, le CICR, se concertent pour trouver une solution aux problèmes liés à l'accès aux prothèses des personnes handicapées physiques. C'est à la faveur de la Journée internationale des orthoprothésistes. Alma Mikire, président de l'Association malienne des acteurs de la réadaptation physique. Les retards dans la livraison des matières premières entraînent des retards dans la fabrication des prothèses et des orthoprothèses, ce qui peut avoir un impact significatif sur la vie de nos patients. La diversification des sources en matières premières peut réduire notre dépendance à l'égard des matériaux spécifiques tout en stimulant l'innovation dans notre profession. Amadou Diallo, directeur général du Centre national d'appareillage orthopédique du Mali. Nous nous réjouissons aujourd'hui que les efforts conjugués du ministère de la Santé et du Développement social et ceux du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont permis l'ouverture de nouvelles filières à l'Institut national de formation en sciences de la santé. Il s'agit de la filière orthoprothésiste, orthophoniste et ergothérapeute. Les défis de l'approvisionnement en matières premières dans le domaine de l'appareillage orthopédique, puisque c'est de cela qu'il s'agit, interpellent plus d'un. Le CICR a été félicité et remercié pour ses actions en faveur des personnes à mobilité réduite à travers le CNAOM. Abdoulaye Maïga, conseiller technique au ministère de la Santé et du Développement social. Pour la période 2021 à 2023, le CICR a approvisionné le CNAM et ses centres régionaux en matière orthopédique importée ou autres équipements orthopédiques pour plus de 325 millions de francs CFA. Cette journée internationale a été mise à profit par les orthoprothésistes pour faire un plaidoyer en vue de la reconnaissance des pratiquants du métier au niveau de la fonction publique. À Sikasso, le projet d'appui au développement de l'élevage au Mali
a investi en 3 ans près de 560 millions de francs CFA dans la région. Un financement qui aura permis à 144 micro-projets et 4 partenariats productifs d'intensifier leur capacité de production laitière, de conservation et d'alimentation du bétail. Les acteurs de mise en œuvre sont sur le terrain pour apprécier l'impact du projet sur la vie des bénéficiaires. On en sait davantage depuis Sikasso avec Moussokoro Sérémé. Né d'une volonté commune entre le gouvernement du Mali et la Banque mondiale, le PADELM, projet d'appui au développement de l'élevage au Mali, a comme objectif global de développement d'améliorer la productivité et la commercialisation de la production animale non pastorale dans des chaînes de valeur sélectionnées. Pour atteindre cet objectif, le projet débuté en 2019 pour une durée de 6 ans est décliné autour de 3 composantes, dont la deuxième focalisée sur le soutien à l'investissement privé. C'est dans ce sens que se tient cette visite conjointe de communication des acteurs du programme à vocation régionale venus apprécier les réalisations sur le terrain. Jean-Martin Kamaté, coordinateur régional du PADELM à Sikasso. Le projet au niveau de la région de Sikasso a connu en tout cas la réalisation de 144 micro-projets, ensemble à 4 projets de partenariat productif, des appuis en équipement en ce qui concerne les équipements de transformation, de conservation, des fourrages pour faciliter l'alimentation du bétail. Avec sa vocation agro-silvopastorale, Sikasso se positionne à la deuxième place des régions d'élevage du Mali, avec plus de 9,5 millions de têtes de bovins et près d'un 1,235,000 ovins caprins. Ils sont 4 bénéficiaires évoluant dans les filières bétail et lait à recevoir la visite de la mission. Au total, ce sont près de 460 millions de francs CFA investis par le PADELM dans l'ancienne région de Sikasso de 2019 à 2021. Abdoulkader Dambélé, producteur de lait. Quand on parle de production laitière, il faut forcément parler de l'alimentation et de la santé animale. Le PADEL a eu à faire subventionner les vaccins contre la fièvre aphteuse. Ils nous ont donné aussi des semences animales pour améliorer un peu la génétique. À la date d'aujourd'hui, on a des animaux qui produisent 25 litres par jour. Traoré Salimata Berté, transformatrice de lait. Avant, je ne pouvais pas dépasser 20 litres par manque de lieu de conservation. Mais grâce à l'appui du PADELM, ma capacité de production est aujourd'hui à 60 litres, ce qui me permet de transformer le lait en plusieurs produits dérivés. Le PADELM qui s'achève en 2024 est financé à hauteur de 44 milliards de francs CFA par la Banque mondiale. Il cible à terme 340 000 ménages éleveurs et entrepreneurs des filières bétail, viande, lait, avicole et aquacole. Sikasso, Moussokoro Sérémé et Amadou Dolo pour l'ORTM. 13h07 sur nos antennes, on en vient. À l'invité de ce 13h dimanche, nous recevons professeur Drissa Samake, directeur général du Centre national de la recherche scientifique et technologique. Nous abordons avec lui l'édition 2023 des JRI, Journée de la recherche et de l'innovation. L'événement débute demain et va durer 5 jours ici à Bamako. Professeur Samake, bonjour. Bonjour. Alors, rappelez-nous d'abord l'objectif principal de ces JRI. L'objectif des JRI, c'est de mettre en contact les chercheurs et les utilisateurs des résultats de la recherche, d'un côté, de deux, montrer à la population malienne que les chercheurs maliens sont en train de chercher et que les chercheurs maliens trouvent. Donc, lors de ces journées, on va essayer de mettre les résultats de la recherche à disposition des, que ce soit les utilisateurs des résultats, notamment les entreprises, le monde industriel, ainsi de suite, pour qu'ils puissent voir ce que nous faisons. Et en retour, savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin pour que nous puissions travailler vraiment dans l'objectif de résoudre les problèmes de la société. Très bien. Et quelle est la particularité de l'édition 2023 de ces JRI? Donc, les JRI 2023, c'est la deuxième édition. La première édition, juste, s'est étendue sur une série de journées. Donc, c'était des prix qu'on avait décernés aux meilleurs chercheurs. Mais cette année, on a même le thème de la journée qui est la recherche et l'innovation technologique au service de la paix sociale et de la performance économique. Donc, ces journées vont s'étendre, comme vous l'avez dit, sur 5 jours. Et il y aura des stands d'exposition pour vraiment voir vraiment le talent de nos chercheurs. Au-delà de ces stands d'exposition, est-ce qu'il y a d'autres activités phares qui sont prévues? Oui, il y a beaucoup d'activités qui sont prévues.
D'abord, on aura des conférences. On a à peu près une quinzaine de conférences qui vont avoir lieu sur les différents aspects de la recherche, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éthique, dans le domaine de l'environnement, ainsi de suite. Aussi, il y aura des panels, à peu près une dizaine de panels qu'on va organiser, donc où les différents acteurs vraiment de la société vont se retrouver pour essayer de discuter par rapport à la recherche au Mali. Et l'événement est intéressant, l'événement le plus intéressant, c'est qu'il y aura des panels du Conseil national du patronat, parce qu'ils ont des besoins par rapport à la recherche. Donc il y a deux thèmes qui ont été reçus, acceptés cette année. Le premier thème, c'est par rapport au blé, parce qu'on sait qu'il y a des problèmes par rapport à l'arabissement de notre pays en blé. Donc nos chercheurs doivent voir comment ils vont faire remplacer le blé par nos céréales qu'on appelle locales. Donc le deuxième thème, c'est par rapport aux mines. On sait que notre pays vraiment fait partie des premiers producteurs des mines. Donc tout ce qui concerne les problématiques de mines donc, vont être discutées entre les miniers et les chercheurs. L'autre événement aussi, oui. ce serait que pour aiguiser l'envie de nos enfants de la recherche, donc on a des démonstrations de robotique, on a des démonstrations de différents aspects de la science qu'on va montrer aux enfants pour que vraiment ils aient vraiment l'envie de venir vers les sciences. La dernière activité, c'est la distribution des prix. Donc c'est un décret présidentiel qui a instauré ces prix. Donc on a le premier prix du président de la République qui fait 25 millions. C'est le prix de meilleur résultat de recherche qu'on a eu. Donc il y a le deuxième prix du ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique qui fait 20 millions. Et le troisième prix, c'est le prix du ministère de l'Industrie et des Mines qui fait 15 millions. Très bien. Alors, professeur Samake, en quoi aujourd'hui peut-on être fier de nos chercheurs au Mali? Est-ce qu'il y a des résultats tangibles dans différents domaines? Si oui, lesquels? Moi, je pense qu'il faut être très, très fier de nos chercheurs. Le problème, la recherche au Mali, bon, ça vient de notre culture. Le Malien ne veut pas parler de lui-même. Donc, ça fait partie aussi des plaies de notre recherche parce qu'on ne communique pas beaucoup sur ce que nous faisons. Les Maliens utilisent les résultats de la recherche au Mali, mais sans pour autant vraiment savoir que ce sont nos chercheurs qui ont travaillé pour avoir ces résultats. Et le cas le plus simple, c'est le riz Gambiaka. Je pense que tous les Maliens savent, ils mangent et ils connaissent l'existence de ce riz et on adore ce riz-là. Mais il faut savoir que ce riz est le fruit de la recherche de nos chercheurs au niveau de l'IR. On a d'autres catégories, dont on a les riz Adeni, ainsi de suite. Dans le cadre des semences de pommes de terre, par exemple, nos chercheurs ils ont eu à travailler sur les semences de pommes de terre. Donc, on a des semences de pommes de terre au Mali maintenant et ce n'est pas la peine de les importer. Et au niveau de la santé, je pense que tout le monde connaît les femmes enceintes qui utilisent les SP, les comprimés SP, donc pour la lutte contre le paludisme. Donc, on a beaucoup de nos femmes enceintes qui ont été sauvées à cause de ça. Et ce SP est le fruit de la recherche de nos chercheurs maliens au niveau du Malaria Training Center, donc, qui a été homologué même par l'OMS. Donc il y a différentes phases de ce SP qui ont été expérimentées au Mali. Je vous apprends que vraiment sous peu, sur nos marchés, on va avoir un vaccin que nos chercheurs ont découvert. Ils ont travaillé avec des chercheurs des années 7, mais ils ont eu des vaccins qui vont lutter contre le paludisme. Dans le domaine de la médecine vétérinaire, donc on sait que le Mali fait partie des pionniers en Afrique de l'Est par rapport à la fabrication des vaccins contre les différentes maladies des animaux. Donc au niveau de la construction, les briques H, il y a plein de données de la science au Mali qui ne sont pas connues des Maliens. Très bien. Donc l'objectif de ces journées, ce serait vraiment de venir montrer aux Maliens ce que le savoir-faire des chercheurs maliens. Vous l'avez dit, quasiment aucune promotion autour des résultats de nos recherches. Alors qu'envisagez-vous très concrètement pour inverser cette donne, professeur Samake? Voilà, donc d'abord, ces journées-là font partie de qu'on appelle de ce qu'on va envisager par rapport à la diffusion des résultats de recherche. Parce que l'année dernière, le CNRS, le Centre national de recherche scientifique et technologique, a signé avec l'ORTM une convention. On a fait des reportages sur nos centres de recherche.
Et les reportages vont être aussi faits sur tout ce que nous sommes en train de faire en matière de la recherche. Donc, on va essayer de les diffuser sur nos différentes antennes pour que les Maliens sachent que vraiment nous sommes en train de travailler. Il y aura beaucoup d'autres activités, notamment on va organiser vraiment des rencontres entre les chercheurs et le patronat pour venir exposer devant eux vraiment nos résultats de recherche afin qu'ils sachent ce que nous faisons et que nous aussi, nous sachions ce qu'ils veulent pour vraiment essayer de faire la promotion de la recherche. Les journées... Donc, on ne veut plus rester en mal de la société, on veut montrer que vraiment la recherche doit servir vraiment la cause nationale et la recherche est là pour résoudre les problèmes de la société. La deuxième édition, des JRI, Journée de la recherche et de l'innovation, débute demain ici à Bamako. Un message particulier à lancer? Oui, il y a un message particulier vraiment pour... Il faut savoir que ces événements, ce ne sont pas faits seulement pour les chercheurs, mais aussi pour les industriels et nos enfants aussi. Il faut venir pour découvrir les chercheurs maliens. Parce qu'on a dit que nous sommes vraiment dans une sorte de tour, donc on n'est pas accessible à la population. On veut être accessible à la population malienne. C'est pour cela que je vais demander à toute la population de sortir vraiment pour venir et pour voir et pour écouter ce que les chercheurs maliens sont en train de faire et ce que les chercheurs maliens ont eu à faire. On a des prix internationaux qu'on a eu, que nos chercheurs ont eu. Donc, on veut vraiment faire voir tous ces aspects de la recherche pour montrer aux Maliens qu'au Mali, il y a des chercheurs qui cherchent et on les cherche et on les trouve. Et aussi, il y a des Maliens qui cherchent, qui trouvent et on les trouve aussi. Donc, c'est ce message que je voulais envoyer à nos compatriotes maliens. Merci beaucoup, professeur Drissa Samake. Je rappelle que vous êtes directeur général du Centre national de la recherche scientifique et technologique. Vous étiez donc l'invité de ce 13h dimanche. Merci. Actualité hors de nos frontières, avec d'abord au Sénégal, la Sénat, Commission électorale nationale autonome et remaniée. Un dossier que vous avez suivi pour 13h dimanche. Nouhoum Sissoko, bonjour. Bonjour, Ibrahima Traoré. Alors, son président, la Sénat, Doudou Ndir, et les autres membres de cette structure sont tous limogés et remplacé par un décret présidentiel. Selon les textes, le mandat de l'ancienne équipe de 12 membres de la Sénat avait expiré depuis 2 ans et demi, mais la décision de les changer en pleine polémique sur l'éligibilité de l'opposant Ousmane Sonko laisse certains perplexes. C'est en effet au moment où la polémique enfle sur la réintégration ou non de l'opposant Ousmane Sonko dans le fichier électoral que le président de la République Macky Sall a mis fin au mandat des 12 membres de la Sénat. La Commission électorale nationale autonome avait demandé le 30 octobre dernier à la Direction générale des élections d'inscrire l'opposant sur la liste électorale après une décision du tribunal d'instance de Ziguinchor dans ce sens. Au Sénégal, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections, mais c'est la Sénat qui les supervise sur l'ensemble du territoire. Alors, quelles sont les réactions face à cette décision et quels sont les arguments du gouvernement ? Selon un responsable de l'ONG 3D Démocratie, Droits humains et Développement local qui milite pour la transparence des élections, le changement est certes légal. Il était même demandé depuis janvier 2021, mais le moment choisi est curieux. L'ONG 3D pointe également le non-respect des dispositions du code électoral qui prévoit que des changements de cette nature ne peuvent se faire qu'au tiers des membres de la Sénat à un peu moins de 4 mois d'une élection majeure comme la présidentielle. Ça pose un sérieux problème de confiance vis-à-vis des organes de gestion des élections, affirme le directeur de l'ONG. Après cette décision, un expert électoral sénégalais, Diaga Silla, a décidé d'attaquer le décret présidentiel devant les juridictions compétentes pour violation du principe de la permanence de l'organe de contrôle et de supervision des élections. Côté pouvoir, Ibrahima Traoré, on explique plutôt que c'est une procédure tout à fait normale. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. C'est en résumé la réaction du ministre porte-parole du gouvernement suite à la publication des décrets. Selon Abdou Karim Fofana, la décision du président de la République devrait être saluée par l'opposition. L'opposition elle-même avait fait la demande de changer les membres puisque leur mandat était arrivé à terme. C'est le moment de le faire et ça a été fait. Il n'y a pas de débat autre que la durée de leur mandat
qui est arrivé à expiration. Merci beaucoup. Nous, Sissoko, voyons ce qui fait l'essentiel hein, du reste de l'actualité avec vous, Burama Traoré. Bonjour. Bonjour, Ibrahima Traoré. Commençons ce tour d'horizon de l'actualité internationale par la Guinée, où Moussa Dadis Camara, ancien président de la transition, est de retour en prison. Détenu à la maison centrale de Conakry depuis plus d'un an, il avait été sorti de sa cellule hier matin, peu avant l'aube, par un commando lourdement armé. Selon son avocat, il ne s'agit pas d'une évasion, mais plutôt un enlèvement. L'ancien président de la transition, dit-il, a été brutalement réveillé dans son sommeil avant que les hommes armés lui l'expulsent des forces de sa cellule, ainsi que ses trois co-détenus qui sont le colonel Moussa Tchaboro Camara, le colonel Claude Pivi, toujours introuvable, et le gendarme Blaise Goumou. Lors de cette attaque de la prison de Conakry, deux personnes sont mortes, dont une fillette de 6 ans. Alors au Ghana, l'actuel vice-président Mahamadou Bawumia sera le candidat du parti au pouvoir pour la présidentielle de 2024. Il a remporté hier la primaire du NPP, le parti au pouvoir, avec 61,13% des suffrages. Le député Kennedy Aguapon est arrivé deuxième avec 37,23% des voix. Mahamadou Bawumia, économiste de formation, tentera de succéder fin 2024 à Nana Akufo-Addo, qui arrive à la fin de son second et dernier mandat. Il y retrouvera John Dramani Mahama, ancien chef de l'État et candidat officiel du Congrès national démocratique, un parti d'opposition. En Afrique du Sud, les pays éligibles au programme américain AGOA appellent à un renouvellement de l'accord. C'était à l'issue d'un forum sur les accords de libre-échange entre les pays d'Afrique subsaharienne et les États-Unis. Les 35 pays éligibles ont donc appelé à renouveler rapidement les accords d'AGOA qui prennent fin en 2025 et à réformer des critères d'éligibilité jugés trop stricts. Réunis pendant 3 jours, les ministres du commerce ou leurs représentants ont discuté des mesures à prendre pour réformer ces accords qui datent de 2000 et qui offrent une exemption des tarifs douaniers sur certains produits exportés vers les États-Unis. Pour bénéficier des avantages douanier, il faut remplir des critères comme le respect de la démocratie et des droits de l'homme. L'ONU et l'armée congolaise lancent une opération conjointe contre le M23. Notre objectif principal est de stopper toute velléité du M23 d'envahir Sake ou Goma, la capitale de la province du Nord Kivu, a déclaré le commandant de la MONUSCO. Ces conflits représentent une menace majeure pour l'accès humanitaire et pour des personnes déplacées qui ont trouvé refuge dans des endroits situés en dehors de Goma, conclut le général brésilien Otavio Rodriguez. Selon l'ONU, près d'un million de personnes dans cette province ont été déplacées par le conflit actuel qui a débuté en 2022. La Turquie a rappelé hier son ambassadeur en Israël. C'est à la veille de l'arrivée d'Anthony Blinken. En raison du refus d'Israël d'accepter un cessez-le-feu à Gaza, l'ambassadeur d'Israël en Turquie avait déjà quitté le pays il y a 2 semaines sur le fond des manifestations pro-palestiniennes et des discours de plus en plus virulents du président Erdogan contre l'État hébreu. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, actuellement en tournée au Proche-Orient, vous l'avez dit, se rend ce dimanche en Turquie. La Russie annonce avoir testé avec succès un missile balistique intercontinental depuis un sous-marin nucléaire de 4e génération. Le lancement de ces missiles balistiques intervient peu après la révocation par la Russie de sa ratification du traité d'intervention complète des essais nucléaires. Le nouveau sous-marin nucléaire stratégique Empereur Alexandre III a effectué avec succès les tirs du missile balistique intercontinental Bulava depuis la mer Blanche, a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Le missile a frappé à l'heure prévue sa cible d'une portée de 8000 km et de 12 mètres de long. Le missile Bulava peut être doté de 10 ogives nucléaires. Merci beaucoup, Burama Traoré, pour ce tour d'horizon de l'actualité internationale. Je rappelle simplement que nous étions en Guinée où Moussa Dadis Camara, ancien président de la transition, est de retour en prison. Au Ghana, l'actuel vice-président Mahamadou Bawumia sera le candidat du parti au pouvoir pour la présidentielle 2024. En Afrique du Sud, les pays éligibles au programme américain AGOA appellent un renouvellement de l'accord. C'était à l'issue d'un forum sur les accords de libre-échange entre les pays d'Afrique subsaharienne et les États-Unis. Et puis l'ONU et l'armée congolaise ont lancé une opération conjointe contre le M23. La Turquie, nous l'avons dit également, a rappelé hier son ambassadeur en Israël. C'est à la veille de l'arrivée d'Anthony Blinken. Et ce tour d'horizon de l'actualité internationale s'est achevé par la Russie qui annonce avoir testé avec succès un missile balistique intercontinental depuis un sous-marin nucléaire de 4e génération. Retour à l'actualité nationale dans quelques instants. La 4e édition des journées textiles du Mali, Manifinio, s'achève cet après-midi au Palais de la Culture. Le Bogolan, une histoire, une identité culturelle.
L'édition et le thème de l'édition 2023 qui a été marqué par des conférences, une foire, exposition, des spectacles, entre autres. On en parle avec Abdoulaye Diombana, secrétaire général de la commission d'organisation des journées textiles du Mali. Monsieur Diombana, bonjour. Bonjour, monsieur Traoré. Alors, pourquoi le choix du thème, le Bogolan, une histoire, une identité et culturelle, ça cache quel message? Nous nous sommes rendus compte ces derniers temps que plusieurs pays veulent s'approprier du Bogolan. Or, en se référant au nom, on sait très bien que le Bogolan vient de notre pays. Alors, il fait partie de notre identité. Et sa labellisation est en cours. Le département en charge de l'artisanat et le département de l'industrie sont à pied d'œuvre pour labelliser le Bogolan. Raison pour laquelle nous avons choisi ce thème, le Bogolan, une histoire, une identité, parce que ça fait partie de notre histoire, c'est notre identité. Et actuellement, nous voulons labelliser ce Bogolan-là. Et oui. Quelles sont les innovations apportées cette année aux journées textiles du Mali? La toute première innovation concerne surtout le village textile qui a pris forme et nous avons essayé avec nos hangars traditionnels et la disposition des stands pour donner vie à l'espace comme si on était dans notre société pour que chacun se retrouve dans nos villages. Donc ça c'est vraiment la structuration du village que nous avons fait, et ça fait partie des innovations phares de cette année. Voilà. Parlez-nous des activités phares qui ont marqué cette édition 2023. Les activités phares concernent surtout les émissions et les reportages journaliers, parce que pour les émissions, nous avons fait Gelekan, nous avons Kirwa. Également, nous avons des concerts, que ce soit modernes et traditionnels, parce qu'on a fait des bals traditionnels, on a fait des soirées modernes, des défilés de mode et des conférences débats. Donc, il y avait vraiment pêle-mêle. Parlant de conférences débats, de quoi a-t-il été question essentiellement? Essentiellement, nous avons parlé d'abord du Bogolan, et le thème principal. Ça, c'était la première conférence. La seconde conférence a surtout concerné la labellisation du Bogolan, enjeux et perspectives, animée par le CDAT. Le CDAT qui est vraiment un centre de développement artisanat. Le CEMAPI, qui est une structure étatique qui travaille beaucoup pour la labellisation. Et le Bogolan Damé. Bogolan Damé, ça, c'est vraiment une structure privée qui travaille dans ce sens-là. Et cette conférence a vraiment été bien animée et ça nous a permis de comprendre les enjeux et les perspectives dans la labellisation du Bogolan. Alors globalement, M. Diombana, quels sont les défis auxquels nos artisans sont confrontés actuellement et quelles sont les alternatives qui leur ont été proposées au cours de cette quatrième édition de Mali Finou? Merci pour cette question. Les défis... Et on a un premier défi sur lequel on se bat beaucoup, qui est quoi? C'est que le textile malien soit à la portée de tous les Maliens. Ça, c'est vraiment le défi auquel nous aspirons. Et pour l'alternative, c'est surtout faciliter l'accès aux matières premières et qui permettront les bonnes créations, parce que on s'est rendu compte que les matières premières, le fait que l'accès n'est pas facilité, c'est ce qui fait que les prix sont un peu élevés. Et c'est un peu le combat de la DINA, qui est la Direction nationale de l'artisanat, et du CDAT, qui sont deux directions du ministère en charge de l'artisanat. Donc c'est ça vraiment l'alternative. D'accord. Un message particulier à lancer. Nous savons que la quatrième édition des Journées textiles du Mali ferme ses portes tout à l'heure, cet après-midi. Oui, bien sûr. Le message, c'est que tous les Maliens doivent être fiers de porter leur textile. Et c'est notre identité. Ça nous appartient. Monsieur, merci beaucoup. Monsieur Abdoulaye Diombala, je rappelle que vous êtes secrétaire général de la commission d'organisation des journées textiles du Mali. Encore une fois, merci d'avoir répondu à nos questions. L'espoir dans quelques instants.
L'actualité des sports avec Famourou Diourté est bien installé hein, dans ce studio. Rebonjour Famourou. Bonjour Ibrahima Traoré. D'abord du football ce dimanche hein, est marqué avec, par plusieurs événements sportifs. Hein, et d'abord au plan national, coup d'envoi de la deuxième journée du championnat de Ligue 1 de football. Oui, quatre matchs sont au programme aujourd'hui. L'AS Police reçoit l'AS Bakaradjan de Baraouli à Eremakono, le terrain du Djoloubassé. Sur la pelouse de l'AS Iral, le COB affronte l'Union Sportive du Cercle de Kita. Afrique Football Elite et l'AS Black Star de Batalabougou se croisent sur le terrain de l'Association Sportive de Bamako, l'ASB. Et l'AS Iral joue contre l'Association Sportive de Kourofina à Sotiba sur la pelouse du Stade Malien de Bamako. La deuxième journée prend fin ce lundi avec quatre matchs également au programme. On aura Djoliba AC, US Bougouba, US Bougouni Binga FC, Isfas ATS de Koro et 11 créateurs Stade Malien de Bamako. Toutes les rencontres débutent à 16h temps universel. Sur le continent au Maroc, se joue cet après-midi la finale aller de la Ligue africaine de football entre le Wydad Casablanca et Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Oui, le Wydad AC Casablanca reçoit Mamelodi Sundowns au stade Mohamed V à partir de 18h temps universel. Les Marocains partent favoris dans cette double confrontation. Un statut acquis après plusieurs années d'expérience sur la scène africaine, notamment en Ligue des Champions. Le WAC et le Mamelodi Sundowns se sont croisés 13 fois. La dernière rencontre remonte au mois de mai dernier pour le compte de la demi-finale de la Ligue des Champions. Après un nul vierge à Casablanca, les Rouges avaient arraché le billet qualificatif suite à un nul 2-2 à Pretoria. Néanmoins, il faut préciser que les confrontations entre les deux équipes sont toujours serrées et le match de ce dimanche ne devrait pas échapper à cette règle. La troisième édition de la Ligue féminine des clubs champions de football de la CAF de mars dimanche, c'est en Côte d'Ivoire. Et c'est le stade Amadou Ngon Globaliste de Korogo qui accueille le match d'ouverture entre l'Atlético Club d'Abidjan et le Sporting Club de Casablanca. L'AS Mandéon du Mali, champion de la zone OSA, fera sa première apparition ce lundi 6 novembre. Ce sera contre Huracanes de la Guinée équatoriale. Korogo et San Pedro sont les villes qui abritent le tournoi. 8 clubs répartis en 2 groupes de 4 prennent part à la compétition. L'AS Mandéon du Mali est dans le groupe B en compagnie de l'AS Phare du Maroc, tenante du titre, d'Ampem Darkwa du Ghana et de Huracanes de la Guinée équatoriale. Les deux premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales. Terminons avec le taekwondo, le championnat d'Afrique 2023. Commence aujourd'hui à Abidjan, Côte d'Ivoire. Le Mali participe à cette compétition. Hein? Oui, la compétition se tient ce dimanche 5 et lundi 6 novembre 2023. Le Mali participe avec une équipe de 13 athlètes comprenant 8, dont 5 femmes chez les hommes. Les couleurs nationales seront défendues par Siriman Balo chez les moins de 54 kg, Youssouf Simbara moins de 58 kg, Bakary Kone moins de 63 kg, Mohamed Fofana moins de 68 kg, Ousmane Sogodogo moins de 74 kg, Ismaël Koulibaly moins de 80 kg, et Youssouf Soumano moins de 87 kg, et Nouhoum Diawara plus de 87 kg du côté des femmes. Les Maliennes sont Aïssata Mohamed Sibi moins de 49 kg, Mariam Sangare moins de 53 kg, Maïmouna Konate moins de 57 kg, Mariam Sidibé moins de 70 kg, et Imane Kanouté, la fille de Frédéric Omar Kanouté, l'ancien international malien de football chez les moins de 67 kg. Merci beaucoup Famourou Diourté pour toutes ces informations sportives. Focus santé. La chronique santé de ce dimanche porte sur la procréation médicalement assistée à l'hôpital du Mali. Un centre qui a officiellement ouvert récemment hein, ses portes et qui vole au secours des couples stériles. Les techniques utilisées pour la fécondation sont entre autres l'insémination artificielle et la fécondation in vitro. Koumba Cissé est allé à la rencontre des spécialistes. Nouvel espoir pour les couples qui souffrent de l'infertilité. Le centre de procréation médicalement assistée est ouvert à l'hôpital du Mali pour venir en aide à ces personnes. L'infertilité, que ce soit chez l'homme ou la femme, est donc traitée au niveau de cette structure. Les activités de procréation sont principalement basées sur la gynécologie et le laboratoire. Professeur Boubacar Sidiki Ibrahim Dramé, coordinateur du centre de procréation médicalement assistée. Ici, dans notre centre, nous avons la possibilité d'utiliser les trois niveaux de techniques. Le premier niveau, c'est les inséminations simples. Si cela n'est pas indiqué, ça veut dire que soit les spermes sont faibles et qu'il y a aussi d'autres problèmes au niveau de la femme. En ce moment, on va aller carrément
et récupérer les deux gamètes, c'est-à-dire les ovocytes chez la femme et les spermatozoïdes chez l'homme. Et nous faisons nous-mêmes dans les milieux bien spécifiques, on fait les mélanges et on observe. Le troisième niveau de fécondation ici, ça c'est la micromanipulation. Cela se fait le plus souvent dans les infertilités masculines. Avant le laboratoire, le diagnostic se fait d'abord au niveau de la gynécologie pour identifier les causes de l'infertilité. Docteur Yuan Kyong-Ziao, gynécologue. Le plus nombreux de patientes venus ici pour consultation, c'est l'infertilité. Le deuxième, c'est l'infection pelvienne ou vaginite. Troisième, c'est l'infertilité masculine, comme oligospermie et asténospermie sévère du mari. Pour obtenir l'embryon, un travail minutieux se fait d'abord au laboratoire. Ambara Kasogé, chef du laboratoire du Centre de procréation médicalement assistée. La salle de ponction ovulaire communique directement au laboratoire. Alors, une fois que les ovules sont prélevés, et en préservant la température du corps, la température à 37 degrés, on donne la ponction au laborantin. Et une fois que la température baisse, cela influe négativement sur le résultat. Donc, une fois que les ovules sont prélevés, on fait un traitement. Si c'est juste un couple où la FIV ordinaire peut marcher, directement, on ajoute les spermatozoïdes du mari dans les ovules et on met en incubation. Sur une vingtaine de couples testés, trois femmes sont actuellement en grossesse. Mais aucun de ces couples n'a voulu témoigner. Professeur Boubacar Sidiki Ibrahim Dramé, coordinateur du Centre de procréation médicalement assistée. Et sur les 22 couples, on a pu avoir à peu près 17 grossesses confirmées, mais toutes ces grossesses n'évoluent pas comme on veut. Il y a eu des cas de grossesse extra-utérine qui ont été interrompues et traitées. Il y a eu des cas où on a repris encore après ces avortements-là. Donc au jour d'aujourd'hui, nous avons à peu près 3 femmes qui ont une grossesse plus ou moins avancée, qui sont au-delà de 20 semaines d'aménorrhée. Donc ça, c'est la joie que nous attendons avec ces premiers bébés qui vont naître de nos pratiques ici. Au centre de procréation médicalement assistée, les embryons sont conservés dans des cuves pour une durée de 5 ans. Il est à signaler que la procréation médicalement assistée concerne uniquement les couples légalement mariés. Focus santé. Et c'est ce numéro de Focus Santé qui met fin à ce 13h dimanche que j'ai eu le plaisir de vous présenter avec à la mise en onde Bintou Traoré, à la mise en ligne Cheikh Abdulaziz à Koulibaly, à la coordination éditoriale et à la rédaction en chef Bourama Traoré. Retrouvez dans quelques instants Famourou Diourté dans Rétro 7, la rétrospective de l'actualité de la semaine, et à 19h30, la grande édition du soir. D'ici là, passez d'excellents moments de radio en notre compagnie. Au revoir.